chez Morini. En fait, moi et Janick, on est deux filles d'équipe. On a toujours travaillé dans des équipes de coiffeur. Puis chez nous, la fraternité, le travail d'équipe, la famille, c'est super important. Les clients aussi, c'est important qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir se promener d'une chaise à l'autre, tout dépendant de la spécialité du coiffeur. Nous aussi, on a la vision que ici, quand t'es bon dans tout, t'es excellent dans rien. Donc, les coiffeurs ici se spécialisent vraiment dans quelque chose qu'ils aiment faire. Fait qu'à ce moment-là, pour eux, c'est le fun de venir travailler parce qu'ils savent qu'au courant de la journée, ils vont faire exactement leur spécialité et qu'est-ce qu'ils aiment faire de plus en plus. Ils s'aperçoivent qu'ils peuvent aussi en vivre. Oui. Parce qu'on pense qu'en coiffure, il faut faire de tout pour être capable d'arriver. Ici, on a vraiment développé un système qui fait que le coiffeur qui n'aime pas faire de l'homme ne fera pas de l'homme. Le coiffeur qui veut faire juste de l'homme va faire de l'homme. Là où la coiffeur qui veut faire juste de la coloration va faire juste de la coloration, il va pouvoir en vivre. Et en vivre très bien. Bien, moi, Janick, je pense qu'on a un très bon exemple par rapport à ça. Moi, je me spécialise beaucoup au niveau de la coloration des blonds. C'est ma spécialité, c'est ce que j'aime faire. Puis Janick, elle, c'est la coupe de cheveux. Donc, la plupart de nos clients passent avec nous deux sur nos deux chaises. Puis, ils sont super à l'aise avec l'une ou avec l'autre, peu importe. Comblé que ce soit une expérience quand ils viennent chez Morini. Moi, c'est Patrick. Ça fait bientôt une année complète que je travaille au Morini. Je suis partie de Limoilou. Je suis tombée tout de suite à mon compte en sortant de l'école de coiffeur. C'est pas toujours une bonne idée. Puis, je connaissais un petit peu les filles qui travaillaient ici, l'ambiance, la dynamique. Ce qui a fait en sorte que je voulais vraiment me joindre à l'équipe du Morini. Pouvoir faire ce que t'aimes. Pouvoir faire ce que t'aimes. Comme tu l'aimes, parce que quand tu es passionné dans quelque chose, c'est sûr que tu as beaucoup plus de facilité à le développer. On travaille avec les forces des coiffeurs et non avec les faiblesses. Parce que les faiblesses des uns vont devenir les forces des autres, tout simplement. Puis aussi, on a développé côté événementiel. Ouais. Moi et Janick, on est coiffeuse à la TVA. On travaille à Salut Bonjour Week-end. Ça fait bientôt 2 ans. Qu'on est là, puis c'est des opportunités qu'on offre aussi à nos coiffeurs, en fait, qui sont avec nous, qui veulent pousser vers le niveau événementiel, parce qu'il y a des coiffeurs dans tout. Il y a des coiffeurs à la télé, dans des shootings, puis des publicités, des championnats, des derrière chaque événement, derrière chaque personne, il y a toujours un coiffeur. Il y a tout le temps un spécialiste du cheveu qui est présent, puis des bons coiffeurs, il y en a beaucoup. C'est vraiment de les pousser dans leur créneau, dans leur spécialité, de faire en sorte qu'on va aller se démarquer de cette manière-là. On veut garder la graine de champion. Nous, on a trouvé une formule super le fun de récompenser à l'effort et de récompenser et d'aller chercher, dans le fond, avec les spécialités, d'être capable d'en vivre, bien, d'aller chercher des compétences puis d'en tirer un salaire qui est décent. Fait que la première raison qui devient intéressante chez Morini, bien, c'est les conditions salariales. On était capable de développer un système de salaire de base avec commission. On a intégré un régime d'assurance collective. On est vraiment fiers de ça. On est allé chercher vraiment un beau modus operandi pour faire en sorte que quand tu mets la main à la pâte, puis que tu es présent dans le milieu de travail, puis que tu te spécialises dans quelque chose, ben tu as une récompense au bout. C'est la première raison pour venir travailler chez Morini. La deuxième, bien, on est tellement attachants. Oh, on est vraiment attachants. Non, mais je pense que l'équipe a vraiment du plaisir aussi. Puis à chaque... Comme là, on a souvent des événements aussi où que des compagnies viennent chez nous, puis ils viennent perfectionner l'équipe. Donc, c'est de la formation en continu tout le temps. On a des formations aussi que nous, on paie. Exact. En fait, c'est la compagnie, c'est nous qui payons ça parce qu'on veut vraiment que nos coiffeurs soient au maximum de leur capacité. Puis l'évolution de la coiffure, c'est à tous les jours. C'est la mode, c'est toujours comme ça. On va s'attaquer à la force de quelqu'un. La faiblesse, on n'en a rien à foutre, excusez l'expression. Parce que c'est pas avec ça que tu grandis, c'est avec tes forces. Puis tes forces vont venir aider quelqu'un qui a cette faiblesse-là. Et c'est comme ça, nous, qu'on a réussi à créer un noyau super solide, super fort au sein de l'équipe. Puis que le partage se fait beaucoup plus facilement parce que quand tu as la force de quelque chose, c'est que tu as une facilité, tu as une passion pour ça. Puis ça devient quelque chose de passionnant à développer quand tu es passionné. On a un super de beau site web, le coiffeurmorini.com. Il y a un bel onglet qui s'appelle Contact. Vous allez avoir un petit onglet Emploi. Puis vous cliquez là-dessus et vous nous envoyez votre CV. On a hâte de vous rencontrer. Ou sinon, ben vous pouvez juste venir nous voir en salon. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer.
puis vous allez voir l'ambiance. Ouais. Vous allez voir que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Ouais, on est quand même attachants. Vous allez voir.